tu regardes le nombre de fois qu'il va passer ton véhicule. Les enjeux liés au transport sont au cœur de l'actualité dans la grande région de Québec. Et dans cette classe de l'Université Laval, des étudiants ont choisi de s'y consacrer. Il y a des bouleversements qui pourraient se produire dans la mobilité entre Québec et Lévis et l'île d'Orléans. Il y a un nouveau pont qui va être construit. Il y a le projet du gouvernement de faire un troisième lien. Chaque semaine jusqu'en avril, 4 finissants à la maîtrise en aménagement du territoire se réunissent pour étudier différents projets de transport et pour comparer les avis d'experts. Un projet de recherche finale pour l'obtention de leur diplôme. Ils vont pouvoir proposer des solutions. On va évaluer la pertinence de ce qui est sur la table. À travers leur démarche, ils examinent le rôle que le fleuve Saint-Laurent pourrait jouer pour améliorer la liaison entre Québec et Lévis. Pour chercher des exemples qui se font dans d'autres villes, on s'est penché surtout sur le nord de l'Europe, puis d'autres villes nord-américaines qui ont des climats assez semblables. Le projet de transport sur lequel ils se concentrent présentement, la mise sur pied d'une navette fluviale qui relierait Québec, Lévis et l'île d'Orléans. Un projet réservé aux piétons et aux vélos, proposé par Croisière AML l'an dernier. Si le gouvernement fait son tunnel entre Québec et Lévis, apparemment de centre-ville à centre-ville, on peut remettre en question l'utilité de la navette. Le transport actif pour traverser de rive sud à rive nord, il n'y a pas beaucoup de transport qui peut se faire comme ça. Techniquement, c'est réalisable, mais nous, on veut évaluer est-ce que ça serait une bonne idée. La navette fluviale en tant que telle, c'est vraiment une alternative pertinente au troisième lien. Parce qu'encore une fois, on dit depuis tantôt que la Ville de Québec est dépendante à la voiture, mais le troisième lien ne va pas vraiment réduire cette dépendance. Le groupe espère publier le fruit de son travail dans une revue scientifique. Mais en attendant, ces démarches offrent déjà un nouveau regard sur la mobilité durable à Québec. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec.